Quand les gens apprennent que ni la France ni aucun pays européen, pas même la Russie, n'arrive encore à construire un simple drone de reconnaissance autonome digne de ce nom, et que la Turquie a dépassé ce stade pour devenir numéro 1 dans le domaine des drones d'attaque, les gens ont tendance à ricaner et ne veulent pas y croire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi tous ces pays n'y arrivent pas et comment la Turquie a fait pour en arriver là. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, personne en France ni dans le monde aurait pu connaître l'existence de ce légendaire drone Bayraktar TB2. Pourtant, ce drone est réputé dans le monde militaire depuis des années déjà. De plus, la Turquie a construit d'autres drones encore plus redoutables que le TB2, mais qui ne sont pas relayés dans les médias. Nous n'allons pas revenir sur les caractéristiques du TB2, nous vous invitons à visionner une vidéo déjà consacrée sur ce sujet. Tout d'abord, essayons de voir comment des pays qui ont des technologies capables de construire des avions de chasse, d'énormes avions civils, et des fusées allant dans l'espace, n'arrivent toujours pas à construire de simples drones militaires, alors qu'en format plus petit ces appareils sont vendus dans le marché civil. Il faut savoir aussi que pratiquement toutes les pièces qui composent le Bayraktar TB2 sont vendues dans le civil. Hormis le cerveau de l'appareil et ses composés électroniques, car tout le secret et la difficulté vient de là, ses applications électroniques. Il n'y a que 3 pays au monde qui ont compris que la guerre de demain résiderait dans la guerre électronique. Les États-Unis, Israël et la Turquie. Les Turcs ont tout misé là-dessus. Les drones que nous achetons dans le commerce ont un rayon très faible et ses applications ne consistent qu'à monter, descendre, aller à droite et à gauche. Mais des drones militaires ont besoin de milliers d'applications, pratiquement les mêmes qu'un avion. La difficulté vient du fait que toutes ces applications ne s'effectuent pas manuellement par un pilote à bord mais par les ondes radio, et avec une distance de plusieurs dizaines voire de centaines de kilomètres. Le TB2 a une distance opérationnelle de 150 km. Le secret de ces engins vient de leurs applications électroniques. Comment la Turquie en est arrivée là? Il y a 30 ans, la seule technologie dans ce domaine que les Turcs ont réussi à concevoir était des Talkie-Walkie. Furieux que les États-Unis ne leur vendent pas de nouveaux modèles et leur donnent à leur place les énormes appareils qui datent de la guerre du Vietnam. Après que les ingénieurs turcs ont réussi à dompter la technologie des ondes radio, ils n'en sont pas restés là et ont poussé cette technologie jusqu'à son maximum. Jusqu'à réaliser le système de brouilleur de radar Coral, qui est d'après les Américains le meilleur au monde. Après réception de la première commande de drone Bayraktar TB2 par l'Ukraine, on a vu Zelensky aller 4 fois en Turquie. La raison était que ces drones livrés à l'Ukraine n'étaient pas équipés de ces fameux systèmes de brouilleur de radar Coral. En effet, les premières versions avaient besoin d'être épaulées par un système de commandement au sol, or la Turquie refuse de le vendre à personne, malgré l'insistance du président Zelensky. Nous voyons ici la première version simple et ici la deuxième où on peut voir l'avant de l'appareil bombé où se trouve ce système de brouilleur de radar. La deuxième commande livrée à l'Ukraine est bien équipée du brouilleur de radar, ce qui le rend indétectable. Et quand bien même il se fait détecter, les missiles se font dévier, voire neutraliser. À voir dans la vidéo précédente. C'est cette technologie qui fait la force des drones turcs et la hantise de l'armée russe, qui reste impuissante face à cette force, qui stupéfie le monde militaire. Les Européens sont encore à un stade de construire et faire voler un simple drone de reconnaissance, sans y arriver. L'écart de technologie est gigantesque. Mais nos médias continuent de dire de ce drone qu'il est juste petit et pas cher, sans parler de ses atouts électroniques. Dans une prochaine vidéo, nous vous dévoilerons tous les drones turcs, qui sont quant à eux ni petits, ni pas chers. Et qui sont plus redoutables que le TB2. On se rappelle tous de l'incident qui s'est déroulé en mer entre un navire turc et le navire français le Courbet. Nous avions à l'époque accusé la Turquie d'avoir illuminé le navire français, ce qui est une manœuvre avant un tir. En réalité, les Turcs ont réussi à couper les communications radio du Courbet, le rendant pendant un bref instant sourd et aveugle. L'OTAN, qui avait dépêché des inspecteurs sur les deux navires pour analyser les enregistrements radio, n'avait détecté aucune illumination quelconque. Il était trop humiliant de dire que notre navire s'était fait neutraliser ses communications radio et plus facile d'interpréter cet incident comme une attaque. Tout ceci est né d'un rêve fou projeté par un homme, Necmettin Erbakan, qui n'est d'autre que le mentor de Erdogan, à l'époque où son parti politique faisait partie de la coalition. Si on met de côté ses penchants extrémistes, la première casquette de cet homme est d'être un ingénieur mondialement reconnu. Avant de retourner en Turquie pour faire de la politique, il vivait en Allemagne, il est le père concepteur du moteur du célèbre tank Léopard, qui fait encore aujourd'hui la fierté de l'Allemagne. Voilà ce qu'il disait à cette époque sur la guerre de demain. Les Américains disposent d'une quarantaine de vaisseaux de guerre avec lesquels ils peuvent envoyer des missiles d'une mer à une autre tout en sirotant leur café.
Comment voulez-vous les amener la raison? Comment pouvons-nous nous défendre contre une telle armée? Si demain on veut construire aussi 40 vaisseaux, ils en construiront 80. Demain nous aurons une telle arme, qu'on n'aura même plus besoin de construire quoi que ce soit, nous retournerons leurs missiles contre eux, nous paralyserons leurs communications, et nous les détruirons. Ce discours date de plus de 30 ans. Aujourd'hui, avec le système Coral, les Turcs l'ont fait. Cette technologie incroyable est partie d'un embargo de Talkie-Valky qui a poussé les ingénieurs turcs à dompter les ondes radio. Hormis les drones et ce fantastique brouilleur de radar, aujourd'hui les Turcs disposent également des missiles les plus précis au monde. Et tout ça avec de petits budgets dérisoires comparés aux pays du G5. En comparaison, le projet de l'Eurodrone qui implique la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne a débuté en 2020 et ne se concrétisera qu'en 2028. Pour un budget de 7 milliards d'euros, et la construction de 60 drones au total. Les pays européens n'ont pas vu venir cette révolution technologique, les guerres de demain seront bel et bien des guerres électroniques. Voici un exemple de plus. Dans nos médias, ils continuent encore aujourd'hui de se moquer du F-35 américain, pourtant cet avion est bel et bien l'avion le plus incroyable que l'être humain ait construit. On continue de dire que cet avion va deux fois moins vite que les avions français et qu'en termes de manœuvrabilité il est nettement en dessous des avions de chasse russes. Avec de telles technologies embarquées, cet avion n'a pas besoin d'aller vite ni même de degrés de manœuvrabilité élevés, il détectera l'avion ennemi avant lui et la seule chose que ce dernier verra sera le missile se diriger vers lui à 14 000 km à l'heure. Ni sa vitesse ni sa manœuvrabilité ne le sauvera. Il faut dire aussi que le F-35 n'a pas été conçu pour s'engager dans un combat aérien, il est épaulé par des avions conçus à cet effet comme les F-22. Cet avion est un vaisseau amiral, qui dirige les avions, les drones et l'artillerie au sol. En Europe, on continue à vouloir construire les avions les plus rapides, les Russes des avions qui font de belles manœuvres artistiques. Tout ceci date d'un autre temps, ces caractéristiques ne font plus gagner des guerres. Nous sommes complètement dépassés par la guerre de demain, la guerre électronique. C'est comme si on faisait encore des lignes de tranchées en attendant l'ennemi. Quand Jacques Chirac, qui avait déjà compris ce qui nous attendait, avait demandé à Dassault de se mettre dans les drones. On lui a répondu qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des jouets pour enfants. Nous avons un problème dans la vision stratégique. Absolument toutes nos institutions sont obsolètes et ne sont pas en phase dans ce système mondialiste. Combien de grands stratèges avons-nous eu depuis Napoléon? Combien de joueurs d'échecs réputés? Au 19e siècle, nous possédions la seule usine d'avions au monde. Comment a-t-on fait pour régresser autant? Aucun pays au monde n'a autant de potentiel que la France pour être numéro 1 dans tous les domaines, économiques, scientifiques et militaires. Nous ne sommes pas conscients des trésors que nous avons entre les mains. Cacher aux Français nos retards n'est pas constructif, car quand il faudra augmenter notre budget de l'armement, les Français le comprendraient plus aisément. Avec la guerre en Ukraine, il est devenu évident de la nécessité de se doter d'une défense solide. Il faut créer de nouvelles universités spécialisées dans la technologie et encourager nos jeunes à choisir cette filière. Il faut faciliter la création de start-up dans ces domaines et les épauler au maximum. Il faut créer des entreprises d'État et recruter les meilleurs ingénieurs de la planète, pour à la fois l'enseignement de nos jeunes et s'investir dans nos projets. L'individualisme a primé sur les intérêts communs. Tous voient la France comme un énorme gâteau et chacun veut prendre sa part. L'État-nation se meurt, il faut être aveugle pour ne pas le voir. En tout cas, nos ennemis, eux, sont conscients de notre potentiel et ne se privent pas pour nous en éloigner.